Il va t'empoisonner. Ah bah non, c'est bon, j'en avais assez en fait. Ok, il me reste plus que les quelques petites fleurs là. Ah, ça va aller vite. Voilà. Voilà. Résultat, je rends toutes les quêtes. S'est déjà fait manger par des plantes. C'est quelque chose qui arrive. Il vous faut quelque chose? Flotter au gré des vents. J'ai pas été très emmerdé à Maldraxxus par ce genre de truc. Prenez soin de vous. Profitez de votre périple. La nuit soit avec vous. Vous allez voir comment s'occuper d'une graine et suivre les rêves de son esprit. Commençons par un esprit assez jeune. Il est arrivé juste avant la pénurie et il a besoin d'un peu plus de soins. Votre mélodie a retrouvé tout son éclat, tisserait. Oh, tout ça, c'est grâce à notre cher ami. Bon, je le suis pour moi. Bienvenue. Allez en paix. Je peux vous aider? Bien le bonjour. À bientôt. Ah non, d'accord, ok, là... L'esprit de celle-là est en train de subir un cauchemar. Le pauvre doit avoir connu une fin tragique. Une goutte d'anima devrait permettre de l'apaiser. Quand ses rêves seront plus tranquilles, nous pourrons... Mais, attendez, il est en train de se lier à vous? Je n'ai pas vu ça depuis... aussi loin que je me souvienne. Il faut en informer la Dromane. Une graine qui se lie à son soigneur est une occasion rare et réjouissante. Quelque chose ne va pas. Son cauchemar est encore là. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Du coup, il y a d'abord un esprit à part, et ensuite le recours des... Non. Oui, c'est ça. Prenez le temps de rêver des étoiles. Oh. Sans déconner, là, ça a même pas eu le temps Que de... la reine vous sustente. Ça c'est caca. Les feuilles tombent au passage des saisons. Je vais hurler, je vous jure. Les vents chantent votre destin. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Franchement, ça... Le bosquet Ça fait ça s'éveille. depuis... J'ai rencontré ce bug depuis Draenor, quasiment. Ce bug est présent depuis Draenor sur tous les serveurs. Je sais pas ce qui provoque ça. Ouais, bon, ok, donc ça c'est la fin de la quête. Étendez vos racines. Ok, très bien. Vous ne seriez pas contre un coup de main, n'est-ce pas? Recevez l'essence de Sylvarden des mains de Dame B de Lune, Quelle ok. belle partie spirituelle! J'ai hâte de voir ce que vous ferez ensuite, aérant toujours la politesse. Vous avez tant fait pour notre forêt et je n'ai même pas réussi à livrer votre message en retour. Non, sérieusement? Pour vous faire pardonner, voici un cadeau. C'est une touche de la magie de Sylvarden. Faites-en ce que vous voudrez. Bien, maintenant que c'est réglé, attendez, qu'est-ce que c'est? Regardez, tous ces fées qui fuient le bosquet du Xylocard. Il se passe quelque chose. Je dois avertir la Lali. On dirait qu'on a encore besoin de votre aide. Ne... Tachemur, à vous! Un vent gémissant nous vient du Xylocard. La forêt tremble. À l'aide! Le bosquet du Xylocard est attaqué! Étoiles. Shadow le mouvement. Les feuilles tombent au passage des saisons. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh bordel, oh, dommage, j'ai eu un faux espoir, j'ai vu des ailes dans mon dos, même si elles étaient. C'était des ailes, voilà, de. Elfique. Enfin, de. Féerique, un peu débile, un peu. Voilà. Je pensais que ça pouvait me. Me donner la possibilité de voler en Ombreterre. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Mais qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir voler en Ombreterre? Enfin bref. Vous flétrissez votre cible actuelle jusqu'à trois autres cibles proches en les privant de toute force vitale, ce qui inflige 2772 points de dégâts de nature à la cible principale et 1300 points de dégâts en 8 secondes. Pendant 8 secondes, drain de vie vous permet également de drainer des points de vie de tout ennemi affecté par votre pourriture d'âme. Et son coût de mana est annulé. Ah! Ah oui! Sympa ça. Et prenez notre serre et hâtez-vous. Allez au bosquet du Xylocard, car le ciel s'assombrit. Je contrôle rien. Hein. Ça se conduit tout seul. Edenia, je vous en prie. Ne vous arrêtez pas. Nia est encore là-bas. Rejoignez-nous, Nia.
Adoptez le masque et servez les maîtres. Jamais. Vos maîtres devront répondre de leur forfaiture. Qui êtes-vous? Une minute. C'est vous qui avez aidé Derawin et Tezan. Ces feuilles masquées ont attaqué le bosquet sans crier gare. Aidez-nous à les repousser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors ça m'intéresse, en effet, quoi cette histoire? Pourquoi nous attaque-t-il? Ce n'est pas possible. On devrait offrir de l'anima aux autres, mais soudain, ces masques ont commencé à apparaître un peu partout, très vite. Tous les failles emportés. Je ne sais pas ce qui leur a pris, mais il est clair qu'ils sont animés de mauvaises intentions. Je vous supplie, vous devez... ce ne sont plus les amis que j'ai connus. Ils ne reviendront pas. L'une de mes tâches dans le bosquet consistait à veiller sur les graines sauvages. Certaines avaient été choisies pour être envoyées à Tirma Val, mais... Tirnaval, ouais. Alors, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, que ça fasse Tirnaval. Mais bon, enfin, voilà. Enfin... mais voilà que les fées masquées cherchent à les vider de leur anima. Nous devons sauver les graines restantes. Je vous en supplie, récupérez toutes celles que vous trouverez. Les esprits qu'elle contient avaient été soigneusement sélectionnés pour renaître et ne les laissez pas dépérir. Je ne les laisserai pas dépérir. Nous étions censés apporter le cœur du bosquet à Tirnaval. Mais avoir abandonné cet endroit à son triste sort, les fées masquées ont attaqué avant que nous ne puissions mener notre mission à bien. Je regarde un truc. Ouais. Il contient tout l'anima des... Attendez. Je suis sûr qu'ils en ont après le cœur. Il contient tout l'anima destiné à sauver les autres bosquets. Nous ne pouvons pas le laisser tomber entre leurs mains. Pouvez-vous vous en charger? De mon côté, je dois impérativement trouver Corinth, l'un de nos soigneurs. Il sera d'une aide précieuse aux éventuels survivants s'il en reste. Mon bosquet. Mes amis. Je vais chercher les survivants. On se retrouve plus loin dans le bosquet. Bien, alors, on a... On va commencer par ça. On va commencer par le cœur. Le cœur. Venez. Krelno. Masque, bourbier, embrun. Pourquoi je peux pas?
n'est pas de cible. Du Xylocard est tombé. À récupérer là-bas. Bon, en vrai, je m'ennuie, mais voilà. Aussi tout simplement me barrer. Hein. Reine Soilouée, vous êtes là. Les masques. Oh, Corinthe, ils n'auront pas le cœur du bosquet. Je te le jure. Nous devons sauver ceux qui peuvent l'être. Tant de morts. Alors.
Oh bordel, encore des glands d'anima. Mais vous me saoulez avec vos glands. Putain, ces créatures, c'est des milliers de Scratch, en fait. De... l'âge de glace. Vous voyez l'écureuil, là. Avec son gland, là. En fait, c'est eux. C'est... Voilà. Les masques, que signifie-t-il ? Ah, secouret, Cassa, Dramine, la dernière, là, là, ok. Ce n'est pas possible. Allez, on va commencer par la... Tant de morts. Par la mission de sauvetage. C'est horrible, ma vie. Je connais cet ennemi. Ouh là là. Je n'avais jamais rencontré de fur si méchant. Merci, je passe devant. Vous allez avoir besoin de mon aide avec tout ça. Bordel, il s'est déglingué, mon marcheur. Ah non, mais il tape fort quand même les ennemis, en fait. Oula. Pas de soucis. Trop tard pour moi.
Ok, bon. Ah d'accord, ok. Ah, ça arrive de temps en temps, c'est... Ah, alors, je crois que c'est d'ailleurs ce qui s'était passé quand j'avais essayé d'affronter le colosse, vous savez, qui était à 2 millions de points de vie, là. Non, plus que ça. Oui, si, c'est ça, de... 2,1 millions de points de vie. En fait, il a juste réinitialisé sa position. Le jeu, parfois, réinitialise la position des ennemis, enfin, des mobs du jeu. Ça donne un souci d'optimisation. Et ça arrive régulièrement, en fait. C'est comme si toute la zone était rafraîchie d'un seul coup par le serveur. Alors, est-ce que c'est une optimisation? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est parce qu'il y avait des bugs fixes de... Enfin, est-ce que c'est un bug fixe vis-à-vis des positions des mobs? J'en sais rien. Bon bah je vais assurer sans lui hein. Décidément c'est... Il s'en prend mais plein la tronche. Pourquoi j'ai invoqué mon regard noir? Il n'y a pas de temps à perdre. Mon bosquet, mes amis, tant de morts. Non, l'anima, pour les graines. On a déjà perdu Corent. Je refuse de te perdre aussi. Le cycle continue. Vous devez aussi... Derawin, non! Ces monstres vont payer. Ah, d'accord, ok. Ouais, reviens là. Ignore-le. Bah là, c'est un peu raté pour la sauver. Enfin, je... Elle est clairement décédée, enfin... Je crois que la quête est buggée. Donc, on la reprend. Ok. Nous devons sauver ceux qui peuvent l'être. Non. L'anima. Pour les graines. On a déjà perdu Corent. Je refuse de te perdre aussi. Le cycle continue. Vous devez aussi...
Derawin ! Non ! Ces monstres vont payer. Ok, il y avait un problème de script. Pourquoi nous attaque-t-il ? Quel masque ? Que signifie-t-il ? Ah, je vous jure. Bienvenue en Sylvardel. Nanima ? Et pourquoi la vieille Tyrnen ne pourrait pas s'en charger ? Les ténèbres gagnent du pays. Mais les étoiles n'y battent. Oh ta gueule. La nuit donne sera rendue du temps. D'accord. J'espère bien récupérer un peu quand tout sera fini. Là. Et qu'on en finisse. Sylvardel reviendra au maître. Vous m'avez déjà trop pris. Insupportable bruit. Tous se soumettront à la flétrissure. Je revois tout ce que j'ai là. Franchement, il m'a saoulé. Du cœur, les graines vont dépérir. Dans les cendres poussent les graines de l'espoir. Le cycle se poursuit inexorablement. Nos chemins se séparent à l'ombre des feuillages. Tirnaval vous appelle. La reine Swallowée, vous êtes là. Ce n'est pas possible. Mon bosquet. Mes amis. Le temps de faire mes adieux. Et je vous rejoindrai à Tirnaval. Êtes-vous certaine d'être en sécurité? Il y a encore de nombreux faits masqués. Ça va aller, Tezan. Partez devant. Je préfère rester avec vous, pour votre sécurité. Merci. On m'a dit que Derawin et Corren étaient les rois de la farce. Est-ce vrai? Il y a bien cette fois où Tis rêve. Mouais.
Mon chouchou, chouchou, Pourtant, il y a des trucs, franchement, voilà, Là, franchement, je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment envie de m'investir émotionnellement, là, non. Peut-être qu'il y en a qui ont chialé, hein, devant ça, hein, honnêtement, et vous avez bien raison, hein, mais là, moi, je suis pas dans le mood, là. Je suis pas dans l'ambiance, là. Je suis désolé. Il ressemble à quoi ce truc? Juste parce que le. Parce que c'est une nouvelle apparence. Hein. C'est que ça? C'est le soigneur d'esprit? Ouais, bon. Ok. Ah oui, j'ai changé ma ceinture aussi, par contre, dans la transmo. Mais voilà, mais sinon c'est les trucs habituels. Hein. J'aime bien cette apparence. Prenez le temps de rêver des étoiles. Une audience auprès de la reine d'hiver. Eh ben enfin, les zéphyrs annoncent l'arrivée de la reine. Un silence épais se fait dans le bosquet. Attendez, écoutez, puis parlez quand le moment sera venu. Les feuilles tombent au passage des zéphyrs. Oh, ça devrait être intéressant. Genre, elle m'a snob. Mais va bien te faire être. Bien, bien. Qu'avons-nous là? Vous allez bien vous amuser. Excusez-moi, je mangeais un truc en même temps. Vous nous avez déjà beaucoup aidé, mais la reine a encore trop de problèmes à résoudre. Si vous voulez lui remettre votre message, il va d'abord nous falloir abréger son fardeau. Nous commençons par Alali. Ses membres sont les protecteurs de Sylvarden et la menace de d'effets masqués les a mis à rude épreuve. Pas mal, on a juste un message du Primat à transmettre, et c'est urgent. Parce qu'en attendant, le geôlier, il monte en puissance. Allez trouver le capitaine Corain. Au bassin, tombe l'heure. Aux dernières nouvelles, les chasseurs avaient bien besoin de renforts. Et surtout, ne vous laissez pas décontenancer par sa férocité. En réalité, seuls ses proies en font les frais. C'est de l'Alali défend Sylvarden au nom de sa majesté. Aidez les chasseurs pour alléger le fardeau de la reine. N'empêche... Elle a des couettes comme... Ah ouais, non, Elsa, elle a qu'une seule couette. Enfin, elle a qu'une seule queue de cheval tressée. Elle en a deux.
Bon, je ferai certainement l'exploration hors caméra hein, ce soir, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Fait votre éloge. Attends, je regarde juste rapidement du coup. Je pensais qu'il allait c'est dire autre chose. Ce qu'il vous fallait. Ok, bon. Prenez bien soin de vous. Je me bats pour Sylvarden. Abattez notre foi. Je traverse, ça me va. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, hop. Pour la reine de l'hiver. Ok, en gros, il y a des chasseurs qui ont disparu. Trouver ces 4 Gugus. Ok. Les chasseurs sont en retard. C'est inhabituel. Retrouvez-les. Et tuez les corrompus et prenez leurs âmes. Ok, d'accord. Gloire à l'Alani. La forêt vous regarde. On se concentre d'abord sur eux. Ah non, c'est des armes récupérées, pardon. J'avais compris. Ah, j'avais lu âme tout à l'heure. Autant pour moi. Du coup, lui. D'accord, donc du coup, lui, il est mort. Hein. Bon. Bon, ils sont tous morts, quoi. Thank you.
Non. Il me reste le dernier Gugus à trouver, à mon avis, celui-là est en vie. Parce qu'il était à part sur la liste. Ouais. Par ici, avant qu'il nous repère. Quel est votre combat ? La Lali peut-il vous aider ? Les chutes sont envahies, et je crois que quelqu'un est à nos trousses. On va regagner le bosquet aussi vite que possible. Merci à vous. Ben, on repart alors. Sacré merdier, Izzy, hein. Parlez clairement et sans détour. Je me tiens prêt. Ne manquez jamais la cible. Alors, éclipse totémique. Je sens la magie noire de nos ennemis. Détruisez les totems épouvantables. Allez, hop. Gros problème. Tuer les corrompus avec Corraine. Ces ignobles créatures vont connaître la colère de Lalali. Affûtez bien. La Sylve vous souhaite la bienvenue. Hein ? Qu'est-ce qui... Le marchand n'est pas intéressé par cet objet. Qu'est-ce qui pose problème ? Ce truc-là ? Délivrance, enfin. Ça aurait dû être ça. Ouais, c'était ça. Tac, ouais, ça va, je sais pas. Ah, mon équipement avait pas pris beaucoup de dégâts. Faut voir ces trucs-là, c'est lié. Ouais, c'est lié. Ouais. Poubelle. Hein. On tente. Allez, on tente. Quoi, ça? Dégâts subis réduits de 15% pendant... Ah, mais je peux en manger plusieurs, en fait. 4 charges. D'accord, ok. D'accord, j'ai 5 charges au total pour chaque graine. Ok, d'accord, ok. Bon, ok. Bon, par contre, c'est un effet aléatoire à chaque fois. Hein. Donc là, j'ai eu de la chance. Mais en soi, on sait pas trop. Alors, comment on peut éliminer? Ou sinon, les 4 totems. Allez, on va commencer par ça. Et il faut passer par là. Je m'occupe du gros. Ça me plaît pas, ça. Mais moi aussi, j'ai des pouvoirs de fire. Ok. Prends le relais parce que là je peux plus. Le marcheur va mourir, mais c'est bon. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps.
Putain, mais ils sont vénères, les mobs. Je connais cette voix, mais il avait été tué. Putain, mais c'est des sacs à PV. 11-4 de vie, qu'est-ce que tu... Connaissez pas vos victimes. Les armes qu'elles portent, les visages cachés derrière les masques. Les fées masquées, c'est donc ça le sort qui les attend. Je profite qu'il y a un autre joueur, hein, honnêtement. Je vais le suivre. Oula, puis il déglingue fort en plus. Ok, c'est saoulé le joueur là. Vas-y, je lance juste une. Voilà. Une corruption, comme ça il va le faire. Et moi ça va compter quand même. Bah c'est bon, de toute façon j'ai...
Allez, hop. Une chasse sans retour. À vous d'être la proie. Une proie que je connais si bien. Assez. Et si vous me connaissez si bien, vous savez qu'il faut me craindre. Il y a une traque à mener. Désignez la proie.